Salut zami mwen. Jodi a nan numéro 275 nan rubrique nou an Ma Bible mon trésor, nou pral partager ensemble avec ou quelques privilèges que jouisse le chrétien de par sa relation de filiation avec Dieu le Père. Zami mwen, pa bliye, rubrique sa besoin aide ou ak support pou rive le plus loin que possible. Partagez message la à kek lot moun nan lis contact. Et pas oublier, si vous pouvez vous abonner à la chaîne là, profitez de ça. Et pendant abonner à la petite cloche de notification, choisis tout. Bonne un like, quittez un commentaire et surtout, mandez que l'autre monde dans la liste contact pour vous faire même bagala. Merci d'avance. Tendez bien, le chrétien, il est co-héritier de Christ, le Fils de Dieu. Ça veut dire, nous avons un héritage commun avec Jésus-Christ. Le chapitre 8 de l'épître de Paul aux Romains est vraiment un texte extraordinaire. Nous invitons pour faire lecture par ça et ça. Verset 1er a ba nous garantit pas de condamnation pour ceux-là qui mettent confiance dans le sacrifice de Christ à la croix. Verset 9 là, l'esprit de Christ habite dans le croyant et c'est une plus grande ressource que les gagnants. Dans verset 11 là, nous jouons une promesse, même si ça t'arrive, nous t'a mouru, même l'esprit ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, la vie ressuscité nous également. Verset 14 là, tout monde qui quitte l'esprit bon Dieu conduit yo, tout bon vrai, yo c'est petit bon Dieu. D'ailleurs, au verset 16, c'est cet esprit même qui ban nous témoignage à confirmation que nous sommes réellement enfants de Dieu. Verset 15 là, c'est cet esprit ça qui maonne nous dans relation de filiation avec Dieu le Père. Nous sommes les enfants de Dieu et Dieu est notre divin Père. Verset 17 là, fait déduction ça pour nous-mêmes. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Relation, yon chrétien avec papa li bon Dieu, son bagay extraordinaire, son bagay merveilleux. Yon nan raison yo, c'est parce que nous bénéficier et héritier nan projet et plan glorieux papa bon Dieu nan ciel la genye pour petit li Jésus-Christ. Verset 18 la dit nous, pa gen rien sous la terre présentement yo capable comparer avec la gloire que bon Dieu papa nous a réservé pour nous-mêmes dans jour qu'a vini yo. Verset 19 la fait nous comprendre, bagay ça, c'est pour petite grâce révélation que lié parce que même la création va jouir de la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Verset 29 à 30 fait nous comprendre que c'est toute qualité projet ça au bon Dieu qui est pour nous qui fait ce qu'il a reconnu. Il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Dieu est notre Père. Nous sommes ses enfants. Jésus-Christ est notre frère. Et nous sommes co-héritiers de Dieu avec lui. Parmi bagay nous était pour nous faire qu'on y a, c'est premièrement adorer Dieu. Parce que, selon Jean 4, le verset 23, l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Deuxième bagala, c'est pour nous accepter joyeusement les corrections de notre divin Père. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il agrée. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils.
puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeaient et que nous avons respectés, ne devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de choses, comme ils le jugeaient bon. Mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Hébreux 12, versets 5 à 10. Amen. Merci Seigneur. À la prochaine.